Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 41e épisode de notre Let's Play Icarus Open World sur Styx en coop avec Krios et Capuo. Et aujourd'hui, on va avoir enfin notre cuisine équipée. Allez, c'est parti. Ah, plus des éclairs. Ouais, en plus, ouais. Qu'est-ce qui... Vous êtes encore dedans? Oui. Je laisse non, la porte ouverte. Je dors. Ferme. Ouais, je sais pas si c'est ça. Ou c'est ton marqueur bleu, Capuo, c'est ça? Vert et bleu, ouais, j'ai mis le mien au-dessus. Suffit. Il y a qu'une espèce de petit. Une rose des vents ou quelque chose. Attends. Je vais mettre. Ploum, ploum, ploum. Est-ce que c'est difficile parce qu'il y a une tripotée de loups qui rôde autour ? Fais gaffe qu'il n'y ait pas un mini-boss ou quoi. Oui, ou un ours. Oh putain, de toute façon... Tiens. C'est vrai, c'est la foire au loup, là. Ah, je t'ai dit, il y avait une tripotée de loups qui traînait autour. Ah, moi je tripote pas les loups, mais. Et level up! C'est bien, ça va faire de la. De l'XP? Non, des os. Ok, là on est au centre. Attends avant d'activer un truc pour voir plus clair avec. Y a rien à activer, faut chercher la cache. Une cache cachée. Dans la zone. Si en plus elle est cachée la cache. Mais on est censé. La zone est infestée de loups. Trouver quoi? Il y a un repère, hein, il y a quoi? Attends, la zone elle est grande donc. Faut chercher quelque part. C'est tout le jeu. Par contre, va peut-être falloir s'abriter aussi. Oh non, les abris, c'est pour les... C'est pour les... Je dirais pas. Je sais, j'arrive pas à trouver ce que j'allais dire. C'est pour les fillettes? Non, c'est... Oh, il y a un nounours. C'est pour les nounours? Voilà. Bon, moi, je suis à l'abri dans un caillou. Il y a des arbres qui tombent, faites gaffe. Ah bah mince, je suis pas shelter sous mon abri. Ah, pas non plus, je croyais. Non. Je suis pas shelter. Ça marche plus de se cacher sous la clé? Normalement, si, mais. Peut-être trop loin, pas assez loin. Ok. Il faut absolument que je me fasse ça. Ah, il y a un dépôt de soufre. C'est la première fois que j'en vois. Ah, ça y est, exposition qui descend. Encore pour moi. Ah, un dépôt de soufre, c'est bien. Ça y est. Ouais, là où je suis, il y a un dépôt de soufre. Ça devrait se calmer bientôt. Ton caillou, Capuo.
pauvre caillou. Je sais pas ce qu'on est censé trouver en fait. Je t'entends très loin, Capo. Je sais pas ce qu'on est censé trouver. Alors, on est censé trouver. C'est un espèce de petit pod. Comme un pod, mais en plus petit. Qui est planqué. Ça devrait être. Généralement, ils font. Enfin. Les précédents que j'avais fait, qui étaient les faciles, ça faisait un peu de fumée, donc c'était visible. Voilà. Putain, les trucs qui sont pas cachés, j'ai du mal à les trouver. Hein. Ah, il y a une grotte ici, il y a du cuivre, etc. Là où ? Si tu veux, et qu'on a la place, pourquoi pas ? Attends, on va faire la mission d'abord, mais. C'est le bord de la zone pour l'instant. Ah, je l'ai. Ah. J'ai vu la fumée. C'est vous ? Ouais. Ok. Là-bas. En fait, c'est une caisse et puis t'as un peu de fumée au-dessus, du coup tu le vois. Bah viens, approche-toi, tu vas voir la fumée en arrivant. Je suis juste à l'autre côté. En fait, c'était par là où on est arrivé. Aïe, je suis tombé. C'est par où ? Ah ouais, c'est bon, je vois. Ouais, c'est par là. Mais non, c'est Cryos en bleu, c'est toi que je voyais tout à l'heure dans ton caillou. Oh ! Ouais, je vous cherche. Je suis dans la bonne zone. Je suis... Oui, suis les marqueurs sur la map. Voilà. Regarde, ça, regarde bon. sur ta boussole, tu vois les petits marqueurs. Tu vas vers. Va vers les petits marqueurs. On aurait pas eu la tempête, on l'aurait vu de loin la... Ouais, je pense. Sous la mission. Bah, on voit la maison d'ici. Bah oui. Est-ce que tu vois la fumée, Capo ? Ouais, je vois la fumée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! Du... Ouf ! Ouf ! Mission terminée, bon, je vais aller à la grotte. J'ai... Qu'est-ce que je fais de cette bouffe ? Congélo. Vite. Viens là. Ah, c'est pas de la super bouffe. Non, mais bon. Ce serait dommage de maïs la gaspiller. Des champignons cuits. Ça. Ah, la viande blanche cuite. Ah, elle est. Ah. Les primes ont l'air de donner bonus diff. Attends, 150 max. Ah non, c'est juste le bonus prime. Pardon. J'allais dire des conneries. J'avais oublié que le visuel de la cuite était différente. T'es à la grotte là ? Ouais. Je t'en veux. C'est une grotte fermée, j'ai juste un petit peu ouvert. Je suis en train de faire le tour des verres, mais je crois que c'est bon. Il y a un contrebas, j'ai pas trouvé l'entrée. Mais... Ouais. T'es à l'entrée là ? Non, je suis vraiment dedans, là, je suis au fond. D'accord, donc je vais l'entrée de... Et hop.
bon. Ouais. Où est-ce que je vais pouvoir caler ça? On a beaucoup de dried string limit, donc je pense que je vais virer. Ah si, c'est bon, je suis. Ah oui, oui. Un peu de dried string limit. Bon, je tape ce qu'il y a à l'entrée. Ouais, va mettre. Ouais, bon, je suis au fond de toute façon. On va mettre ça. Est-ce que je peux mettre ça là-dedans? Autre chose que du feu. C'est parce qu'il nous manque le plus. Ah, du platine, tiens. J'ai ça sur moi, ça faut que je laisse là. Du coup, l'électric stove, c'est 10 électroniques. 8 lingots de cuivre. Bah moi, je suis plein déjà. 1000. T'es plein en... Il y a de l'alu. Plus besoin d'alu, il y a de l'alu ici. De toute façon, je vais tout ramasser, t'inquiète. Alu, titane, cuivre par ici. Ouais, j'en s'en fous. T'as assez... Tu peux porter combien en fait, toi? Moi, 150 kilos, mais je dépasse toujours. Ok. Ah, allez, tu vas rentrer au ralenti? Ouais, bah avec. Si j'ai l'arc en main, je cours plus vite. D'accord, bah je vais rester avec toi, je vais marcher avec toi. C'est pas grave si je vais tourner lent avec toi, c'est pas grave. 10 composites. 10 électriques pour ça, 10 composites, 12 composites. Storage, on s'en fout. 16 composites. Ouais. 8 béton, 18. 10 électroniques, 18 béton. Attention, parce que t'as souvent de la pierre sur toi qui pèse lourd. Ah oui, c'est vrai, je vais de la pierre. Est-ce qu'il restait 16 composites? 4. Yeah. Ah, on n'a pas réactivé. Vous pensez le matin à réactiver la fournaise? C'est mieux. Ouais, je suis à 105 kg, 102. Je vais mettre quelque chose par là. Je vais prendre un peu dégagé. Voilà. Bon, je suis à 115 kg sur 102. Là, je peux pas bouger, prendre plus, sinon je vais plus pouvoir bouger du tout. Ouais, ouais. Nous sommes 1100. Là, je suis à 180. Je t'attends à la sortie avant d'avoir une pneumonie. Ouais. Donc, du coup, vous avez des cailloux ou pas avec vous? Sinon, on va taper du caillou. De la pierre? Non, ouais. Parce que je m'en débarrasse à chaque fois. C'est pareil, moi, parce que pire, j'ai eu. On va taper un caillou, hein. Allez, non, punaise. Allez, titane, cuivre, platine. Parce qu'il va me falloir du béton et du. Et de la essence de pierre, donc. On va taper la pierre. Je
Ah bah voilà. Enfin. Est-ce que l'un de vous avait repris de la silice ou pas du coup? Dans la bétonnière. Et puis il y a une armoire en bois face à l'entrée. Okay. Face à la porte, tu vois. J'ai repris un caillou là, mais. J'ai mis de l'oxyde, de la silice et un peu de soufre. Et c'est du trissable qu'il faut pas. Encore beaucoup à miner. 40 d'alus. Ouais, 70 d'alus. Il reste encore un tout petit peu de place. Et tu, oh. Tu pèses moins lourd le minerai sur toi, c'est ça aussi. Ouais. Et là, il y a de l'or. Tu peux en prendre beaucoup. Ça. Hop. C'est pas grave. Je vais me virer un peu de ça. Trissap. Je suis passé niveau 50. Ça. Oh, ça y est, là je suis plein. Vraiment, je suis plein. Il s'était arrêté, lui. Ok. Ah non, je suis pas encore plein. je viens de bouffer mon dernier. Mon dernier anti-pneu. Voilà, là je suis plein. Ah, il faut que je regarde s'il y en a d'avance. Je repasse. Trissa. Voilà. On peut rentrer. Ok. C'est en fait. Ah, tu cours quand même plus vite que moi avec là. Ah bah attends, j'attends. J'avais dit 20, 40, 70. Le vert, ça fait 12. Charge la star. 12 de verre. Ah, tu vas payer que moi de l'arc, mais comment ça se fait? J'ai le bonus. 12 de verre. Le bonus quand j'ai l'arc dégonné. Oui, mais je crois que je l'ai aussi. 10. Et je crois que j'ai un module sur ma combi qui me donne. Ah, plus non. De speed. Ah bah non. Non, tu l'as pas. Si. Parce que là, tu trottines bien. Hein. Ok. Et je suis à 213 kilos. Ah ouais. Ah, 10 électroniques, j'avais oublié ça. 10 électroniques. Je coule. La nage est difficile. De l'or et du cuivre. L'or. Du cuivre. Donc, je vais mettre. Si je pense ça, est-ce que je suis plus. Ouais, non, c'est le même. Si tu me prends 10 kilos, tu crois que tu cours toujours aussi vite? Mais je peux plus, je suis plein. Ah. Oui. Ce qui me dérange, c'est les slots. D'accord. Je suis emmerdé par les slots, pas par. Oui, un goût. Pas par le poids. Oh non, le poids, j'ai 200 kilos, je trottine encore. Electric Stove, c'est parti. Marble Kitchen Bench, c'est parti. Oh, vas-y, avance, hein, si tu veux, je te... Non, attends, je t'attends. Je t'ai perdu. Élevier, c'est parti. J'ai la stam qui remonte. J'ai une petite barre de stam, là, j'ai pas la bonne bouffe. J'ai beaucoup de vie, mais j'ai pas beaucoup de stade. Ah! Vas-y, je te laisse prendre d'avance, j'ai 3 points distribués. Je vais les mettre.
toi t'es pas vide. On te pick up. J'ai 17 points de blueprint là, le technique. Ah. Je trottine, je vais quasiment à la même vitesse que toi qui marche. Il y a un loup en face. Ouais, donc ce que j'ai entendu. Et j'ai l'impression que ouais, y a un ours dans le coin. Ouais, j'ai entendu un bruit d'ours aussi. À droite, ouais. Tant pis, on va le passer. Hein. Parce que je pourrais même pas le dépecer, donc ça vaut pas le coup. C'est un dépôt de quoi, ça? Un dépôt de silice. Ouais. Alors, électricité. Lapin. Tu sais, c'est la porte ouverte ? Ouais. J'arrive, je suis derrière, c'est bon. Et le glou glou. Je mets le cuivre en priorité à fondre et puis le reste dans les armoires. Hop. Oui. Hop. Ouf. Ah bah l'armoire à fer, elle est pleine. Ah, je vais remettre du fer à fond. C'est quand vous êtes à côté, j'ai plus de FPS. C'est l'horreur. C'est notre physique d'Apollon qui prend tous les FPS. C'est ça. Ouais, t'as... Je vois que ça. Hein. Il en faut, hein. Il y a tellement de détails sur notre physique. si je viens de faire. Et voilà. Okay. Messieurs, je vous invite dans la cuisine. Ah non. La cuisine, c'est moi. Et j'irai pas nous. C'est toi et les flics. Voilà. Vous des muffins aux fruits. La capo va pouvoir nous. Et donc du coup ici ça c'est le marble bench. Ça permet de faire tout ce qu'on pouvait faire sur l'autre en face, y compris les pickle carottes. Attends, oh, on peut se laver. De vie. T'as un boost, ouais, quand tu te laves. Ah ouais, tout de suite, ça y est, là. Waouh. J'ai le podcast qui déconne, j'ai rien entendu de ce que t'as dit. Oui, il y a un bonus pour aller dormir. Il y a un bonus de... Que tu t'es lavé récemment. Pâtisserie, plus kumara, plus viande crue, plus carotte. Il y a des trucs sympas. Bah, en fait, t'as toutes les recettes en un, là. Voilà. Ouais, t'as le bench à droite qui refait. Ce que le truc derrière il fait, ouais. En fait, on peut même l'enlever, ça. Épuisant. Oui, oui, oui. J'avais enlevé le pot de belly et puis j'avais enlevé ça et le pot de belly, on en a toujours besoin. Non, non, je l'ai viré. Oui. Non, plus un non plus. Donc ça aussi, tu peux le virer. Je l'ai viré le pot de belly. Tu remarques pas qu'il est pas là ? Si, si. Mais non, mais quand je te dis virer, tu peux même le détruire. Le recycler. Ouais, pour ce qu'il donne. À la limite, on te présente ta nouvelle. Ouais, il y a plein de choses à faire. Hein. Ta nouvelle cuisine.
Et donc l'inventaire, attends, est-ce que ça marche comme est-ce que je peux remplir? Je peux. C'est quand on se lave, d'accord. Okay. Même, en fait, idéalement, il faudrait se laver juste avant d'aller dormir. Récemment lavé, petite augmentation d'artisanat affecte le meuble de cuisine, plus 10% de vitesse de production, vitesse de déplacement. 15% de qualité de sommeil, effectivement. Et ça dure 2 minutes, donc... Et encore juste à... oui. Et avant d'aller dormir, on se lave. Bah, nickel. Bon, bah... En face, on garde pour mettre un congélo à la place. Ah c'est ouais, le drying rack qui cracra maintenant à côté du reste. Ah, c'est sécheur. Bah, on va mettre une avancée de toit et le laisser dehors, le truc de sécheur. Bah, pas qu'une avancée de toit. Non, en fait, c'est pour les Kia. Les Kia qui font... Ah ouais, c'est les Kia. Qui nous embêtent. Il faudrait mettre deux séchoirs dans un petit appentis. Crumbled fish fillet. Avec de la pâte à pain, du poisson, 150 max health, 75 max stam, 15% de stam régène. J'avais fait de la pâtisserie l'autre jour, je me demandais à quoi ça sert. Et tu peux faire aussi les du pain à la citrouille. Pour de l'explosion résistance. Plus de 125 de durabilité max, c'est quoi de durabilité pour quand on mange? Où ça? Le savory roll. Peut-être pour nos outils, je sais pas. Où est-ce que tu vois durabilité max? Plus dans 225 produits, c'est... Ouais. C'est la santé. Plus 225 de santé. Ouais, c'est la santé. Ah, mais les rolls, ouais, ils sont énormes. Parce que 225 de santé, 75 de stam. Le roll d'à côté, 150 santé, 150 stam. Et ouais, le dernier, 150. Le Kumara, c'est le fruit. Ajouté. Ouais, ça vient d'être ajouté. Comment ça se fait qu'on a autant d'éponges? C'est vrai que les éponges ça sert à rien. C'était dans les... Ouais, dans les trucs. Ouais. Ah, le meilleur c'est le savory roll quand même. À quoi que les autres, il a moins d'endurance, il fait moins d'endurance. Ouais, mais au total ça fait 300. C'est... Ouais, chaque fois c'est 300. Les rolls ils font 300. Ah, c'est top. Oh, t'as le café chaud, le ragoût de rhubarbe. On va dans 225 stam. Le café chaud, il est pratique quand on va dans la zone arctique. Ah ouais, mais carrément, oui. Ouais, tu trouves des thermos. Et le thé pour le désert. Se faire des thermos. Le thé pour le désert. Où est-ce que tu vois le... C'est pas le thé. Non, c'est plus 10 de température. Alors c'est pas ça, il y a un truc qui refroidit. Bah l'eau. Non, il y a un autre truc normalement. Il me semblait qu'il y avait un truc qui refroidissait bien. Non, je pense que c'est juste le fait d'avoir sa gourde sur soi qui t'aide à bien refroidir. Attends. Ouais, ah merde, je sais plus. Ah celui-là il rajoute tous plus 10 là. Ouais. Bah je dois me tromper alors. Ouais. Je pense qu'on a bien avancé pour aujourd'hui. On pourra voir. On a fait plus que. Prévu. Non, on a fait pile ce qu'on avait dit, pour une fois. Le pain au terron, c'est bien. Plus 15% de résistance à l'exposition. Ouais, mais après, si t'as déjà tes bonus de prix, le pain de citrouille, oui, j'avais vu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Après, t'as les tartes qui sont. Il y a les tourtes, elles sont bonnes aussi, ouais. Pas mal, mais. La tarte aux légumes, elle est au top, hein. Oula, j'ai planté. Tu te fais de ma combat,
plus 15% d'endurance consommée par les actions, plus 15% de dégâts de mêlée, 15% de régénération de la santé. Effectivement. Oula, et moi j'ai une Flashstorm qui est annoncée en mode tout est stacké sur un seul truc. Et moi ouais. Là j'ai bien planté. Ouais, mais Capo, je pense qu'on va se dire au revoir ici. Merci à toi, merci à toi Krios. Merci à vous tous qui êtes passés nous voir. Demain, on se retrouvera sur Satisfactory. Donc je vous dis à demain. Merci encore à tout le monde. À demain, et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Salut. Salut tout le monde.